La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, on va un peu commenter et analyser cette sortie de Dr. Fodé Ousou Fofana, le vice-président de l'UFDG, sur le fameux congrès de l'UFDG. Et oui, le docteur a mis les points sur les i et a répondu à quelques questions de préoccupation de certains militants concernant le congrès, mais aussi le retour du président Sédou d'Alain Diallo en Guinée. Le vice-président de l'UFDG, Dr. Fodé Ousou Fofana, rassure que bel et bien le congrès de l'UFDG sera lié. Mais à quelle date? Selon lui, il y a des délégations, des fédérations à l'international qui doivent normalement envoyer leur délégation pour participer au congrès. Mais comme vous le savez, dans certains pays, déjà, ils sont en vacances, mais d'autres aussi, les vacances, c'est au mois de septembre, selon Dr. Fodé Ousou Fofana. Mais ce qui est sûr, quand même, le congrès de l'UFDG, en tout cas, sera lieu peut-être au mois d'octobre. Mais, docteur rassure que Sélou d'Alain sera bel et bien présent. Mais aussi, il répond à ces personnes qui parlent tout le temps du congrès de l'UFDG. Mais pourquoi, selon lui, il y a plus de 200 partis, plus de 200-300 partis politiques, je veux dire. Mais pourquoi les gens s'intéressent seulement au congrès de l'UFDG? Et Dr. Fodé Ousou Fofana dit aux militants d'être fiers de ça parce que l'UFDG c'est l'un ou peut-être le plus grand parti politique de la Guinée. Docteur Fodé Ousou parle aussi que l'UFDG c'est l'un des partis politiques qui est implanté partout en Guinée mais aussi à l'étranger. Comme vous le savez, l'UFDG a plusieurs sections à l'international, au plan national et même dans la sous-région. Et pas seulement dans la sous-région, mais en Afrique. L'UFDG a ses représentants, a ses sections dans ces pays de l'Afrique, mais aussi au monde. Et alors, la famille, je vous invite à regarder l'intervention du vice-président de l'UFDG à la personne du docteur Fodé Ousou Fofana. C'était à l'Assemblée générale hebdomadaire du parti de l'UFDG. Alors, la famille, partagez cette vidéo au maximum, une vidéo très, très intéressante. Et puis, voilà quoi. N'oubliez pas aussi de mettre vous aussi vos réactions en commentaire. Allez, on se reprend très bientôt. Il y a plus de 300 partis politiques. Mais les gens ne parlent que du congrès de l'UFDG. On ne parle jamais du congrès des autres partis politiques. On ne sait pas si les autres partis politiques organisent des congrès. On ne sait pas est-ce que ces partis politiques ont organisé des congrès une seule fois. Mais matin, midi, soir, UFDG, le congrès, est-ce que le président Sélou d'Alain va arriver? Est-ce qu'il va faire ceci? Est-ce que le congrès aura lieu? Je vais vous dire, il faut être fier de ça. Pourquoi vous devez être fier de ça? C'est parce que vous êtes le parti champion. C'est ça, c'est vous êtes le parti champion. C'est ça la vérité. C'est le seul parti ici, l'un des rares partis, je vais être humble et modeste, qui est sur l'étendue du territoire national. Mais quand on organise des congrès, nous ne faisons pas de convention, nous. Quand on organise des congrès, nous organisons les congrès en due et bonne forme, nous les organisons en respectant les règles. Ce congrès va être organisé de la base au sommet, sur l'étendue du territoire national. Nous sommes le parti le mieux représenté sur le plan national et international. Nous avons des coordinations Afrique, coordination Europe, coordination États-Unis. Ce congrès va être organisé. Nous allons continuer à organiser nos congrès. La préoccupation aujourd'hui de l'UFDG, c'est comment nous allons terminer l'organisation de nos congrès. Je voudrais remercier ici les fédérations de Conakry, les fédérations de l'intérieur et les inviter vivement à continuer à organiser des congrès
Nous avons beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui croient au président Sélou, qui croient au projet de société de notre parti. Ces Guinéens, vous devez les rencontrer, les rassurer, les dire que l'UFDG est un parti national qui se bat pour les Guinéens, qui se bat pour l'égalité entre les Guinéens, qui se bat pour la justice pour les Guinéens. Comme aime le dire shérif, men sendata girare, men nyawarata girare. Il faut le dire, il faut aller voir les autres. La porte de l'UFDG est grandement ouverte. Le principe du congrès est clair et net. Un bureau de comité de base, de section ou de fédération n'est validé par la direction nationale du parti que lorsque toute la Guinée est représentée dedans. Ce n'est pas un parti de la Haute-Guinée, ce n'est pas un parti de la Guinée forestière, ce n'est pas un parti de la Moyenne Guinée, ce n'est pas un parti de la Basse Guinée, c'est un parti national, c'est un parti qui appartient à l'ensemble des Guinéens. Et pour nous, les Guinéens, Malinké, Soussou, Peul, forestiers sont sur le même pied d'égalité. Quand un secrétaire fédéral d'un parti décide de rejoindre l'UFDG, nous te respectons et nous te mettons directement dans la fédération pour que tu sois au même niveau que là où tu étais. Quand vous êtes membre d'une section, vous arrivez à l'UFDG, vous revenez avec votre mandat, nous vous accueillons comme tel. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que le président Sélou Dalein sera là? Je vais vous dire, le congrès sera organisé devant le président Sélou Dalein Diallo. Je ne suis pas capable de vous donner une date exacte aujourd'hui, pour deux raisons. La première raison, c'est que tous les représentants du parti à l'extérieur doivent être là. Dans certains pays, les vacances, on les donne au mois de juillet, au mois d'août et au mois de septembre. Il faut qu'ils aient leurs représentants. Première raison. Deuxième raison, et qui est aussi fondamentale, on n'organise pas un congrès quand on n'a pas fini de mettre les structures en place. Quel est le problème? C'est notre parti, c'est pour nous. C'est nous qui organisons le congrès. C'est nous qui décidons quand est-ce nous allons organiser le congrès. Mais calmez-vous, dormez un peu, respirez un peu. Nous allons organiser, nous ne sommes pas le seul parti. Allez demander aux autres quand est-ce qu'ils organisent leur parti. L'UFDG, nous organisons notre congrès quand nous voulons, comme nous voulons, à notre guise et pas par la volonté de quelqu'un. Est-ce que c'est clair? Vous voulez savoir, le président Sélou sera là. Je vais vous rassurer que le président Sélou sera là. Il va assister au congrès et le congrès va se faire comme tel. Donc je vous invite, j'invite les responsables à tous les niveaux de continuer à organiser les congrès. Merci.